c'est effectivement le régime qui régit 90% des personnes mariées. C'est le régime qui s'applique automatiquement si l'on ne fait aucune déclaration en mairie. Autre, il est créatif de trois masses de biens. C'est-à-dire que monsieur a une masse de biens propres, madame a une masse de biens propres. Ce sont des masses qui concernent en fait tous les biens dont les gens sont propriétaires avant le mariage. Troisième masse de biens, la masse aussi très importante, la masse des biens de communauté. C'est effectivement dans cette masse que se retrouvent toutes les acquisitions que les couples feront ensemble. The matrimonial regime governs 90% of married people. It applies automatically if you make no other declaration and get married. It creates shared property. The husband has a set of his goods, the wife has a set of her own goods, which is everything that they own before they get married. The third set is the shared property, all acquisitions that the couple will make together. On peut faire une donation à n'importe quel moment et à n'importe qui, avec certaines limites. La première limite, c'est que si on a des héritiers qu'on qualifie de réservataires, ces enfants,